Yo, what's up, mes amis? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode PVP. Je vais juste activer, désactiver le god, désactiver. Non, god était déjà désactivé. Les fmap off, fadmin off. Et on va y aller. En gros, il y a sûrement quelqu'un qui va PVP. Si on va aller voir en bas. On va sauter. Ah, regarde, il est là. On va PVP contre lui aujourd'hui, les amis, pour un petit épisode. Puis ensuite, après, je vais vous parler un peu vite fait du serveur. Il y a quelques edits qui ont été faits. Premièrement, vous avez sûrement pu le voir, le remarquer, j'ai un texture pack nouveau. Si on va enlever un peu tout ça, la pomme d'émeraude, elle va nous servir maintenant, en fait. On va la prendre, vous allez voir. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça donne speed, ass, up, wither, tout plein de trucs. Mais c'est grave bon pour PVP, vous allez voir. Wow. C'est sûr que c'est un peu chelou parce que ben il y a de la nausée. Mais ça nous donne la force après quand la nausée s'en va. Et c'est ce qu'on a, nous, on avait besoin en fait. So, on devrait lui faire très très mal. Et on devrait le ken. C'est un youtuber, X-Treezer. So, ça va au calme, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il filme aussi de son côté, j'imagine. Comment c'est? On a les deux équipes premium. Plus l'équipe soigneur chacun. So, quand même easy. Je crois qu'il s'est acheté l'équipe soigneur. Je sais pas. On verra bien. Les serveurs en ce moment, comme vous pouvez voir, il y a très peu de connectés parce que ben, on est en bêta. Le jour 2 de la bêta, ben en fait c'est rendu une bêta ouverte les amis. Si vous avez envie de rejoindre le serveur, vous pouvez, vous allez sur le site, vous téléchargez le launcher. C'est la bêta ouverte, le seul truc qu'il va y avoir c'est qu'il y a des petits redémarrages assez souvent. Et aussi il y a des trucs, comment on appelle ça, des petits bugs qui sont à corriger. Mais bon, inquiétez-vous pas les amis, ça va être corrigé bientôt. Là il fuit, je sais pas pourquoi. Pourtant on a le même stuff que lui. On a des heals plus un kit premium, so... Ça devrait pas être trop trop pire. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, il a pris l'Underpearl. On va y aller avec l'Underpearl aussi. On est dans ma faction. Il est con, il pourra pas me taper ici. Je suis dans sa faction, dans la faction staff. Juste heal. Fait que c'est ça qui est bien avec les armures épidote et le casque et tout, c'est que c'est super long les fights. Moi, personnellement, j'aime ça, mais après, voilà, c'est un avis personnel, bien entendu. Je pense qu'il va fuir. Ouais, il est down. Non? Ok. Je sais pas ce qu'il fait. The fuck? On va essayer de prendre la bouffe. On va prendre ça pour prendre la bouffe. Ça rejeune quand même pas mal. Sinon, il y a le kit food qui est disponible maintenant. Vous pouvez faire kit food. Il y a les under chests qui sont activés au spawn vu que tout le monde se plaignait du pay to win. J'ai décidé d'activer les under chests au spawn. Là, on n'a plus de speed par exemple, comme vous pouvez voir. Là, notre pomme cheat est disparu. Celui-là, on va juste se fight en mode no. Voilà, vous avez compris enfin. Là, c'est lui qui la possède. C'est lui qui lui a pris sa pomme, ça va être un peu chaud pour nous autres. Mais on va être capable de s'en sortir les amis, je l'espère. Puis voilà, alors pour l'instant je vais vous parler des trucs qui ont été édits. Je vais juste changer un peu mon FOV. 85, 86, ça fait bon, c'est pas grave. Fait que oui, les under chests ont été activés pour tout le monde au spawn. La warzone, toutes les bugs de la warzone sont corrigés. Il n'y a pas de dégâts de shit, mais les dégâts de shit vont être activés dans les AP et dans tout ça. Vu que la plupart des gens aimaient pas trop ça, s'inquiétez-vous pas. Ça va être fait, sinon quoi d'autre, je sais pas exactement. Pour les texture packs, mon texture pack, je vais vous le sortir à l'épisode numéro 5 lors de la sortie officielle. Le texture pack que j'utilise en ce moment, c'est la version 1 de Cofaction Texture Pack Icons. Il va être disponible dans la description de l'épisode numéro 5. Ben, l'épisode numéro 5 va être la présentation du texture pack, ou quand la map de texture pack sera prête, je vous la présenterai. Fait que voilà qui est ça. Pendant ce temps-là, je vais continuer à fight contre lui. Les armures vont broke bientôt. Pour activer les armures, les amis, les particules c'est P. Comme vous pouvez voir, en appuyant sur P, vous pouvez activer. Si vous appuyez sur F12, les armures aussi. J'avais oublié de le préciser dans le premier épisode. Fait que voilà. On va retourner à les fight. Juste voir. Nos armures sont quand même... ils pètent quand même assez lent. C'est ce qui est bien, en fait. Ça fait des fights assez longs. Si vous savez pas vous heal, ben c'est sûr que c'est un peu plus difficile. Mais quand vous avez des heals, pas de heal, ça dure quand même assez longtemps aussi. Fait que voilà. Les prix sur la boutique, les amis, ont été changés aussi, vu que beaucoup d'entre vous disaient que c'était un peu trop cher. Les prix ont été quand même modifiés un petit peu, pas beaucoup, je veux dire, on n'a pas enlevé genre 15€, mais on a enlevé 1 ou 2€, qui est quand même beaucoup en code SMS. So, pour l'instant, il y a Margo qui m'a des SMS, dédicace à toi, ma petite chiwi. Fait que voilà, hop là. Il faudrait essayer de le coincer dans une... dans un coin là, puis juste le circle. Genre juste le... ouais, enfin bon, vous m'avez compris. On peut pas de... on peut pas item block. Comme vous savez, c'est l'1.8.
Prends pomme d'émeraude, il y a besoin d'une régénération 3, c'est ça que ça veut dire. Super, c'est nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire ça. Il nous a pas vu, nous underpearl, je pense. On va économiser des heals. Ah non, il y a underpearl. Donc on va prendre une pomme aussi de résistance 3. Ça va nous régène, on va se régène vite fait. Walou. Il y a des undermits, what the fuck? Ok. Wow, il a pris tout un knockback là. Le bug du PvP est corrigé, les amis aussi. Il y avait un bug de PvP au départ, il a été corrigé. Inquiétez-vous pas, ça c'est bien. Fait que, ouais, comme je l'ai dit, il reste quelques petits trucs à corriger. Le shop, les warps à configurer. Il reste quelques petits trucs. Puis normalement, ben, quand l'épisode 5 de ma série va sortir... Ouh, il y a eu un bug de potion. Ça m'avait pas heal, what the fuck. Il y a des petits bugs encore comme ça. Bon, là, il va essayer de fuir, j'imagine. Il doit plus avoir beaucoup de stuff. Son armure doit être en train de broke, j'imagine. 4 secondes, on va attendre. On va se lancer son underpearl. Comme ça. Presque en même temps que lui. Il l'a lancé un peu plus loin. Là, il va essayer de s'enfuir, j'imagine. What? J'arrive pas à lancer mes underpearls super haut, what the fuck? De toute façon, il doit sûrement lui en rester seulement 4 ou 3. Oh, sacrément. J'étais sûr qu'il allait se TP, mais non. Il n'est pas été capable. Son stuff va broke, il va se repair. Il a fait un kit pour se repair, mais là il est down. Et voilà, on l'a eu. GG. Oh shit, moi aussi je suis down. Oh, il lag. C'est pas moi qui lag, c'est lui. Moi j'ai aucun problème de lag. Mon armure va broke bientôt aussi. Chaud! Ah, ça va être chaud. Alors on peut le down, on peut le down, coup critique. Ah fuck, il est chanceux. Il a pris une pomme cheat. Fuck. On peut encore quand même le down. La pomme cheat c'est pas très bon quand t'as plus de casse, surtout que lui il a pas une super bonne armure. Mon casse 33%. On voit clairement que j'ai donné beaucoup plus de coups. Quand il va perdre sa régène, il va être down. Hop là. Whoop-a-lay. Whoop-a-lay, whoop. Quand même, c'est quand même des combats qui durent assez long quand même, quand on y pense. Oh, on tourne en rond là. Et voilà, GG. Good fight. Fait que le fight est quand même duré assez longtemps, comme vous allez voir. Bon, lui, il a fait un kit guerrier pour se reprendre de l'armure. Ça va me permettre de vous montrer l'épée en de tourmenter sur pack en même temps. Donc voilà, il a bien géré le gars, je veux dire, il a bien géré. Moi, je vais laisser le stuff, ben ici. Non, je vais aller, je vais me clear. J'ai pas double stuff, j'ai pas double stuff du tout, j'avais juste un stuff. Donc voilà, GG, je vais prendre mon stuff, walou, walou, comme ça. Slash C, walou. Puis on va aller au spawn, on va, comme j'ai dit, à chaque épisode, on va ouvrir des caisses. On va ouvrir deux caisses aujourd'hui, encore. Sera pas très long, j'ai juste mal la commande. Voilà, je peux pas crafter un under chest normal disponible juste au spawn. On va ouvrir deux lucky box. So, oh, 15 diamants. Ah, c'est vrai, faut pas les prendre comme ça, faut les prendre comme ça, bien important. Et 15 diamants. Bon, on n'est pas très chanceux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner les 15 diamants à lui. Et on va donner 15 diamants à lui. Ah non, mais non, mais non, il y a eu deux fois les 15 ici. Ainsi, phallique. Tac, tac. L'autre, on va le donner à le gars qui était là, c'est qui? Il y a un gars qui est là et qui s'appelle It's Khalifa. On va lui donner à lui. Voilà. Il a récupéré les diamants. Sur ce, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre qui a été update? C'est pas mal tout. Les ender chests, ben, ils fonctionnent au spawn. Table de craft aussi. Tout fonctionne.
Tu peux aller voir ma candidature sur le forum. Si vous voulez participer pour la candidature de modérateur, bien entendu, les amis, il y a les candidatures qui sont disponibles sur le forum que je vais vous linker dans la description. L'IP du TS aussi. Si vous n'avez pas le launcher, vous pouvez vous le procurer via le nous rejoindre. Et puis j'espère qu'un épisode des cofactions par jour va vous faire plaisir pendant quelques semaines. Peut-être pendant une semaine ou deux. Puis ensuite, on va tomber après avec les textures packs, les mods et tout, comme je vous l'ai expliqué. Pour que vraiment que je puisse proposer mon serveur et m'en équiper bien du serveur, etc. et avoir vos retours rapidement sur le serveur. Sans que je fasse du pré-record, vous voyez ce que je veux dire? Moi aussi, je vois ce que je veux dire. So, on va y aller comme ça. Je vous aime tous du profond de mon cœur, les amis. On a déjà près de... On a eu 50 joueurs presque. So, ça fait super plaisir de voir qu'il y a autant de joueurs. Fait que voilà. J'espère vraiment que vous allez continuer à venir, les amis. Je vous aime tous du profond de mon cœur. Beaucoup, vous aviez plein du pay-to-win. J'ai tout corrigé le pay-to-win. Inquiétez-vous pas, tout est modifié. Voilà. C'était Icon, le Pikachu de l'Internet. Bonne fin de journée, les amis.